moi, très concrètement, j'ai appris beaucoup de choses à l'ISCPA, que ce soit du point de vue théorique ou pratique. On a la chance ici, dans cette école, d'avoir de belles installations, des installations qui ressemblent à peu de choses près à ce que l'on connaît ensuite. Il est important vraiment de faire une vraie formation dans le métier de journaliste et donc aujourd'hui aussi dans le métier de journaliste sportif. Il faut tout savoir faire, la télé, la radio, du web, de la technique. On travaille sur du sport, mais on est avant tout journaliste parce que il peut arriver tellement de choses. Je pense que c'est important aussi de ne pas perdre tout ce qu'on a appris justement à l'école, où on a cette chance de pouvoir utiliser et connaître plusieurs médias pour pouvoir ne pas perdre ces bases-là et les réutiliser après. Et cette polyvalence aujourd'hui, elle est absolument, absolument nécessaire pour durer dans le temps dans ce métier. Si c'est votre rêve, si vous avez vraiment cette flamme pour le journalisme et pour le sport, juste croyez-y, du début à la fin, malgré toutes les portes qui vont s'ouvrir, qui vont se fermer devant vous, gardez confiance parce que ça finira par payer. Et surtout, croyez en vous. Surtout, c'est le plus important. Croyez en vous. Faites savoir que vous êtes disponible. C'est-à-dire qu'il y a parfois des flottements dans des rédacs. Qui veut aller où, qui... Ouais, moi je veux bien essayer. Ouais, moi j'y vais. Et si vous me laissez ma chance, je la prends. Moi je dirais juste d'oser. Oser un reportage, oser contacter les rédactions. Tout le temps se proposer, quoi, être chaud pour tout, quoi. Un peu pour continuer là-dedans, c'est de ne pas gâcher les opportunités qu'on peut vous offrir. C'est sûr qu'avoir un stage, une pige, il ne faut pas le galvauder. La première impression que vous allez donner, elle est très importante. Alors, elle n'est pas irrémédiable, mais en tout cas, de montrer qu'on est investi, qu'on a envie d'apporter quelque chose, d'apprendre. Pour un même stage, il peut y avoir vraiment des opportunités complètement différentes, uniquement liées à l'investissement que vous apportez, donc pensez-y. Faut pas trop s'exposer, mais faut prendre des risques aussi. Moi, je pense aux filles qui sont là. Les portes sont ouvertes, quoi. C'est pas un milieu fermé aux femmes, il y en a de plus en plus. Si vraiment ça vous branche, allez-y. Détermination, rigueur, acceptation des contraintes que l'on a évoquées, avoir toujours les yeux rivés sur l'actualité, les oreilles attentives, ne pas avoir peur du ridicule. Vraiment, n'importe quel sujet peut être l'occasion de se mettre en évidence et d'intéresser, vraiment proposer des choses et surtout la passion. Voilà, trouver du sens à ce que l'on fait, ça me paraît le plus important.